Ouais. ADLER 2016, Berserker. L'humeur du berserker, l'humeur du berserker. Déchéance internationale. Où et quand s'arrêtera le règne du mal? Le monde tourne à l'envers, l'ambiance demeure trop délétère. La haine akène l'amour et l'humanité la parsème. Le respect et la bonté ont disparu de nos contrées. L'irrespect et la beauté s'y sont largement incrustés. Les jugements scantonnent paraître normal et le mal-être. Les hommes n'ont que faire de l'équité, ils veulent juste la mallette. C'est chacun sa part de la galette et l'Afrique n'en a que les miettes. La lutte pour pouvoir mène inexorablement à la jette. En sirotant mon café, je vois les infos, le constat est amer. Les désastres éloignés sont en aucun cas relayés. Sa mère, je continue à me distraire malgré tous ces songes d'enfer. La paix n'est qu'une illusion, mais faut-il battre le fer? La guerre comme la violence ne résoudra pas nos blèmes. Le pouvoir oligarchique auront, c'est bien ça le dilemme. Les mœurs de la société sont pires que lamentables. Le rassasié pique dans l'assiette de celui qui sert de la table. De moins en moins de politesse, on dirait qu'un bonjour les écorcherait. L'égoïsme et la jalousie, pour certains y'a que ça de vrai. La déchéance est internationale. Où et quand s'arrêtera le règne du mal? Les valeurs se perdent au profit de l'esthétique. Et tous ceux qui nous dirigent placent leur ego devant leur sens de l'éthique. Comment imaginer un futur quand ce présent est si dur? Comment imaginer un futur quand ce maudit présent perdure? Les valeurs se perdent au profit de l'esthétique. Et tous ceux qui nous dirigent placent leur ego devant leur sens de l'éthique. Comment imaginer un futur quand ce présent est si dur? Comment imaginer un futur quand ce maudit présent perdure? La politique c'est la prospérité du vice fiston. Ils font des masses basses, veulent la division des religions. L'Occident est le seul responsable de l'embrasement du Moyen-Orient. Leur intérêt passe avant la protection des populations. Les BRICS et la triade veulent asservir les POD. Sois pas trop naïf, tu sais très bien que des gens créent des MST. Leur bonheur se trouve dans leur cupidité, ils pensent être épargnés. Me tarde de voir leur logo au jugement dernier. Piétiner la pop pour arriver à ses fins n'est pas très fin. Non, en 2016, pourtant beaucoup de personnes ont encore faim. La déchéance paraît sans fin car ce n'est que le début de la fin. Ouais, ce n'est que le début de la fin. Bientôt l'anthropophagie fera bien son retour. Le mal a la priorité et le bien cède le passage au détour. Tu peux penser après ce son qu'il n'y a pas que la politique à blâmer. La gouvernance nous chie à la gueule, veut tout nous faire avaler. Même si j'étais une meuf, la pilule j'aurais pas ingurgité. Je vois le monde de Namek et je peux te dire qu'il n'est pas en forme. L'argent est un loup pour l'homme qui est un agneau devant toutes ses formes. L'argent est un loup pour l'homme qui est un agneau devant toutes ses formes. Les valeurs se perdent au profit de l'esthétique. Et tous ceux qui nous dirigent placent leur ego devant leur sens de l'éthique. Comment imaginer un futur quand ce présent est si dur? Comment imaginer un futur quand ce maudit présent perdure? Les valeurs se perdent au profit de l'esthétique. Et tous ceux qui nous dirigent placent leur ego devant leur sens de l'éthique. Comment imaginer un futur quand ce présent est si dur? Comment imaginer un futur quand ce maudit présent perdure? Les valeurs se perdent au profit de l'esthétique. Et tous ceux qui nous dirigent placent leur ego devant leur sens de l'éthique. Comment imaginer un futur quand ce présent est si dur? Comment imaginer un futur quand ce maudit présent perdure? Les valeurs se perdent au profit de l'esthétique. Et tous ceux qui nous dirigent placent leur ego devant leur sens de l'éthique. Comment imaginer un futur quand ce présent est si dur? Comment imaginer un futur quand ce maudit présent perdure?